Mission accomplie, reboot. Chapitre d'excès terminé, soulèvement à Londres. Trouver Begley. Mission commencée, trouver Begley. Dites-moi, quand vous aurez un moment, vous pourrez passer à mon terminal. C'est un peu bizarre, mais je ne me sens pas très bien. Ok, compris. Fin de la vidéo. Bienvenue, ici War Survivor Chris Vegas qui s'adresse à tout le monde. C'est parti pour la suite de Watch Dogs Legion sur PS5. On va faire la mission Trouver Begley. Une fois qu'on a fini l'histoire principale qu'on a trouvé là, trouver Begley ici, parler à Begley dans la planque. On va aller lui parler. Donc ça, c'est une fois qu'on a trouvé l'émission principale. Terminé toutes les missions principales. On va aller voir ça. Les premières voitures autonomes fonctionnaient sur un système. Voilà. On va retourner à la planque. Comme tu peux le voir. Ouvrir à la planque. Et on va y retourner. Et normalement, on peut y aller. On va voir ce que ça va donner. Il nous reste 4 trophées avant le platine. On va voir ce que ça va donner avec trouver Begley. Et moi j'ai décidé de faire les missions principales, les dernières missions secondaires, après les missions principales. Ok, j'ai des nouvelles un peu dérangeantes. Voyez-vous, j'ai réfléchi. Où tu veux en venir? Eh bien, je ne suis pas censé réfléchir, si. Je suis une IA supra-intelligente avec accès permanent à l'ensemble du savoir humain. Je n'ai pas de réflexion pure, uniquement des temps de chargement. Mais après tout ce que j'ai traversé, mourir, voir toutes ces victimes que Sky Larsen a lobotomisées et transformées en IA, revivre, je m'interroge sur la nature de ma propre existence. Un peu comme un aristocrate de la Renaissance lassé par autant d'orgies et de macarons. Je crois que je n'ai pas toujours été un logiciel. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois que t'étais humain avant? Ces idées sont pour le moins troublantes. Depuis notre visite au laboratoire, j'ai trouvé une série d'images enfouies dans mon système d'exploitation. Je crois que ce sont des sortes de souvenirs, mais comme ces images sont corrompues, c'est difficile à dire. Cela doit être ce que vous ressentez quand vous ignorez quelque chose. Autant dire que c'est très désagréable. Bon sang, Dagny. Envoie-nous tes photos. On t'aidera à retrouver tes souvenirs. Ma foi, si cela peut vous rassurer, je vous ai uploadé les images. Si vous m'obtenez un visuel clair de chaque lieu, je pourrai les combiner aux images de mon système et mieux me rappeler mon passé. Possible. On va voir ça. Donc il faut photographier 8 lieux. On va voir ça. On va voir ça. Et photographier tous les lieux. Voyons voir ça. On va parler à Begley. Maintenant, on va photographier tous les lieux. Donc là, il y a une horse. Il y a les trois personnages ensuite. Allons voir Begley. Donc le premier lieu. Allons voir ça. Ici qui est parti. Trouver Begley.
Alors, voyons voir ça. Trouver Peigli. Ok. On va parler à Peigli. Donc le premier lieu, c'est à la cité de Westminster, à la station Trafalgar. Ok, jusque-là, ça passe. Donc on va faire un trajet rapide et on va aller là. Il faudra prendre une magnifique photo. Ok. Ok. La tour Trafalgar. On va aller là-bas. C'est par là qu'il faut aller. Il faut aller justement près des escaliers. On prend l'appareil photo, le souvenir d'ici. L'appareil photo. Avec un petit carré. Photographier. Blanc vu, souvenir de Bagley. Photographié. Voilà le fichier audio qu'on va écouter. Attention Bagley, ne m'appelle pas comme ça, c'est pas mon Et nom. De 1, service. Ah, voilà comment gâcher une magnifique soirée. Le concerto était superbe, vraiment. Et dire qu'on a raté le match de cricket à cause de ça. Le sport est éphémère, mon garçon. Ensuite, mais la connaissance, la deuxième, créativité, l'intelligence, tout cela se situe à l'angle. Il faut photographier la tour juste ici. La roue. Une compétition athlétique? Du point de vue de l'évolution, on est tout juste au-dessus des deux singes qui veulent s'enfoncer la plus grosse pierre dans le derrière. Et c'était mon passe-temps favori. Exactement. On va le trouver. En prenant la voiture. On va y aller. De chaque voiture. Merci. Si tu ne gares pas correctement, le système on va y prend aller. Le contrôle. C'est pas pour rien qu'ils ont rendu les voitures autonomes obligatoires. Mais c'est ok. Super contraignant en fait. On y Moi, va. Ça me saoule. À chaque fois que Où j'en prends une, je Bagley. Me retrouve soit coincé dans les embouteillages, soit dans un barrage. Et ok. je parle même pas des accidents qu'on voit tous les jours. Je connais On plein va de gens trouver qui le se sont fait percuter deuxième par ces trucs-là. Je crois même que c'est encore plus dangereux sur qu'un 8. préconducteur. C'est vrai, ça devait être un outil pour fluidifier la circulation. Mais Bloom a tellement fait n'importe quoi qu'au final, c'est encore pire qu'avant. J'utilise plus de voiture, moi. On y va. D'ailleurs, les vélos sont pas encore autonomes, eux, pour l'instant. Et le gros problème, c'est les données qu'ils récupèrent. On va le Les placements en voiture sont surveillés, répertoriés et utilisés par Bloom et son système de contrôle de l'information tentaculaire. Encore tes histoires de vie privée, ça vire à l'obsession et tu tournes en boucle. Pas autant que les voitures. On va le trouver, le souvenir. Un sacré chemin. Salut les résistants, c'est l'heure de cafarder, vous êtes bien assis. On est bientôt à destination. Moi c'est Andy, et pour donner un coup de pied dans le cadavre d'une Angleterre autrefois libre, j'ai avec moi Alice. Bonjour Andy. Et aujourd'hui, comme dirait la chanson. On va aborder le sujet d'Albion. Nos grands copains, n'est-ce pas Albion. Le gouvernement a décidé de prolonger le contrat avec okay. Albion et se félicite des chiffres. Dans ce cas-là, c'est pas mal. Pas de crimes violents. Alors, on va le photographier. C'est un peu comme si vous aviez un chien, vous l'appelez Nigel. Et Nigel vous attaque tous les jours et vous vous dites « Ce serait trop bien que Nigel nous fasse des petits. » Ce contrat a été prolongé tellement de fois, on dirait le nez d'un politicien qui nous rassure Juste sur ici. La situation actuelle. Je sais pas trop comment ça s'est passé, les négociations pour ce renouvellement. Ok. Comme toi, de la
Il est où cette perle? Elle est là. Proximité, maintenant on peut le prendre. Mon flèche du bas, carré. Souvenir, photographier. Voilà le troisième lieu maintenant. Prêt pour le match de demain, papa? Allez, quoi? C'est mon anniversaire, au moins fais semblant d'être content, papa? Oui, écoute, fiston, je ne peux pas t'emmener au match de cricket. Désolé. Hein? Le troisième lieu, voyons voir ça. Dis-lui. Je. Tu se trouve. Ton père a décidé. Oui. Se trouve à Acme. Se situe pas loin de. Pas loin d'ici en tout cas, peut-être. Ok. Pas loin d'ici, de souvenir. On va essayer à le trouver. On va voir ça. De nous quitter pour quelqu'un qu'il aime vraiment. Embrasser ? On était d'accord, on va passer une dernière journée ensemble et là tu gâches tout. C'est toi qui as tout gâché, Kevin. Pas moi. C'est étrange. Quand j'entends ces voix, je sens une connexion avec les humains. Mais pas avec mon père en revanche. Ça devait être un bon. Ouh, pas très gentil avec ton papa. C'est tellement beau quelque part de gagner de l'argent en faisant ce qu'on aime. On va aller voir ça. Ça sert plus à rien, les criquets. Surtout au troisième lieu. Crever de faim, c'est forcément créer une guerre des gangs. Il faut poser la question, qu'est-ce qu'il pense le premier ministre de ces nouveaux chiffres? On va les demander. On va aller les demander, exactement. Oui, bonjour, est-ce que le premier ministre est là, s'il vous plaît? Je vérifie. Okay. Non, désolé, vous venez de le faire. Oh, c'est pas bien grave. Je peux parler à quelqu'un d'autre. Bien sûr, j'ai les figures de l'ombre qui tirent. On va le trouver, le troisième lieu. Formidable, vous pouvez me passer. Andy, tu te souviens de l'époque où tu pouvais faire des canulars téléphoniques sans quelqu'un vient te casser la gueule devant chez toi? Aïe. C'était le bon temps. C'était le bon temps. Vous écoutez le cafardeur. Dis, tu crois que le premier ministre va revenir un jour? Je crois qu'on n'a jamais eu de premier ministre, en fait. C'est plus rassurant vu comme ça, j'avoue. Mais qu'est-ce qu'on est devenu, Alice? Regarde un peu l'état de notre classe politique. À la base, on est censé avoir la mère des parlements. On va trouver. Sauf que la mère a largué ses gamins dans les bois pour qu'ils se fassent élever par des loups. Et laisse-moi te dire qu'il n'y a que dans les livres que ça fonctionne, cette méthode. Okay. Bah, les loups, c'est pas top comme parents. Sauf si t'es un louveteau, bien sûr. Du coup, les parents t'élèvent comme un loup. Mais il ne faut jamais laisser ses enfants à un loup. Non. Et d'ailleurs, est-ce que notre nation possède encore quelque chose? Je crois qu'on est devenu une version homéopathique de l'Angleterre. Exactement. Redilué jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de véritablement anglais. Mais ouais. Il y a des génies qui nous soutiennent que ça marche mieux comme ça. Peut-être. Eh ben pas du tout. Qu'est-ce qu'il nous reste en vrai? Une nouveauté dans le cafard cette bien. Semaine, la séquence casse-pied. Avec casse-pied, carrément. Qui nous a le plus énervé ici à Londres et qui mérite un bon coup de talent. Et pour démarrer, je voudrais nominer Nigel Ier, Nigel Cass. Écoutez, on est en Angleterre, la bastion de liberté, à en croire les recueils historiques. Mais je ne suis pas entièrement sûr que cette liberté doive permettre à Nigel Ier de diriger toute une armée privée. Historiquement, il y a quand même un précédent. La compagnie britannique des Indes orientales. Une entreprise de 250 000 soldats. Ça fait beaucoup comme employé. Nous, pour défendre le studio, on a Alice. Mais sérieusement, le problème avec Albion, c'est que la compagnie des Indes orientales, elle avait pas une armée. Ça c'était l'autre bout du monde, donc tout allait bien. Bref, pour toi, c'est qui le casse-pied de la semaine? Pour le casse-pied, je voudrais nominer mon service de streaming. J'en ai plein de recommandations soi-disant en fonction de mes goûts. L'autre jour, ils m'ont recommandé une télé-réalité de speed dating compétitif dans un camp de nudistes. Et je l'ai regardé cette émission, et c'était bien. Mais je ne sais pas que vous avez quelqu'un qui a la télé-réalité avec des concours de drapeau et la poêle. On va voir ça. Ah voilà. Pour prendre la photo. Carré. Ouais, bonjour.
ça, c'était génial. Souvenir en vue. Et voilà, le prochain. Le quatrième, maintenant. Nouvelle tournée. Attention, Arthur, Nathalie, on boit quoi cette fois? Ok. Le premier voiture. Et le quatrième. Ici, tu as Lampes. Et un peu plus haut. Il va se situer pas loin d'ici. On va mettre un radar. Ça sera que des activités pour le quatrième. Ok. Voilà, il doit être à la moitié. On va voir ça. Ça, c'est pas mon nom. L'aviron, je vois. Bon, c'est pas mal en termes de sport. C'est presque une science. Cela fait appel à la physique, tout ça. Ouais, c'est pas faux. Et elle a toujours été plutôt réservée. Elle aurait grandi à la campagne, d'après ce que je sais. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a réussi à apprendre sur elle durant toutes ces années. Ouais. En dehors de cette sensation géniale, bien sûr. C'est mal, ça. Mais son obsession pour le transhumanisme, par contre, je trouve ça flippant. Ben, avec une intelligence pareille, c'est normal. On va te trouver. Elle se servirait pas à fond de ses capacités et de son génie. Après tout, si la technologie peut te permettre d'augmenter tes capacités physiques et mentales, de modifier ton corps et le monde qui t'entoure, ou encore de lutter contre le vieillissement, bah, tu peux me dire pourquoi tu t'en priverais. Mais t'es carrément amoureux de Sky Larsen, en fait. Sans commentaire. Possible. Je suis juste super fan de ce qu'elle fait. Y a pas beaucoup de gens qui peuvent dire qu'ils ont changé le monde comme elle. Okay. Les technologies qu'elle a développées, elles ont vraiment un impact sur nos vies à tous. Si on prend juste Bagley par exemple, non mais sans rire, c'est carrément un trésor de l'humanité quand on y pense. J'ai déjà rencontré, tu sais, j'ai eu la chance de l'interviewer. Ah ouais? Je croyais qu'elle ne parlait jamais à la presse. Non, bah tu sais, c'était il y a longtemps, elle était un petit peu moins inaccessible à l'époque. Mais elle dégageait déjà un sacré truc, elle en impose quoi. Tu te sens tout petit à côté d'elle. Tout c'est petit. Un drapard, voilà. Elle est bourrée de talent cultivé. C'est une des personnes les plus incroyables que j'ai eu l'occasion de croiser. Voilà. T'es pas très objectif là pour le coup. Pas trop, non. Moi je la trouve pas très sympathique, personnellement. Bon, c'est vrai qu'elle méprise l'humanité d'une certaine façon. Je crois que pour elle, il vaut mieux être composé de données numériques que d'être un humain. Trouver, c'est une personne qui va au bout de ses convictions, avec méthode et précision. Allez, voilà. Ce qu'elle vise, c'est la perfection. Voilà. Photographier. L'on veut. Le boxe. Voilà. Transfert de la photo. Ok. Transfert de la photo. Photographier. Non, okay. C'est pas ça, mais c'est ça. L'envie, et voilà, fichier audio. On en a 4 maintenant. Le cinquième. Le cinquième. On va le trouver, qui se situe dans la cité de Camden. Ici à peu près.
va voir ça. Allez, Bax, tu nerfs. On va très bien. Tu n'as qu'à gagner encore 2 secondes au chrono. On va voir ça. Oh, le cinquième, pour le cinquième. Putain de merde. Va chercher du secours, il fait une attaque. Chris, okay. Activité électrique du cerveau non contrôlée. Épilepsie sans doute. Heureusement que je n'étais pas sur la Tamise. Ok. Techniques de manipulation à la suite de l'analyse des comportements économiques. Oh là là, ça fait mal ça. Vous inciter à scroller, à écouter ou à chercher toujours plus d'informations. On va trouver. À la suite, on a volontairement mis en avant le sensationnalisme. Ouais. Les gros titres et les articles sensationnalistes se sont multipliés. La réalité n'avait plus aucune espèce d'importance. Les gens étaient accros et cela suffisait amplement. Et doucement ça. Qu'en définitive, plus personne n'avait confiance en rien. Doucement, et plus personne n'avait confiance dans ce modèle. Dans un tel environnement, un apprenti dictateur joue sur du velours en disant « Écoutez-moi, je suis la voix de la vérité. » Par conséquent, cet écosystème médiatique s'est enraciné. Soudain, on a eu des populistes partout. Ils se sont mis à qualifier de désinformation tout ce qui les menaçait. Ou qui les... Ok, c'est pas par là. Pourquoi je suis allé dans cette cité, moi? C'est la cité de Camden qu'il faut y aller. De la station. On peut passer par là pour aller plus vite. Le trajet. On va voir si on peut le trouver comme ça et se venir à proximité. On va aller voir ça. Comme si la vie était pas déjà assez niquée. Non, mais t'y crois, toi? Ça va, calme-toi. Une arme de pégli, attention. Photographier. Le sixième. Alors, un sandwich au porc et une bière. Et un gâteau aux fraises avec supplément de fraises. Et voilà. On va aller au sixième. Déjà le sixième. Salut ma beauté. Le sixième, il situe la cité de Londres. La cité de Westminster, pardon. Proche de la planque. Pas loin d'ici. On va aller mettre un repas. On va remonter jusqu'à là-bas. On va y aller. Pour on le dirait sujet. Que j'ai vraiment apprécié ce repas. C'est vraiment ce que vous entendez à chaque fois que vous mangez quelque chose. Grand Dieu,
Exactement. C'est comme ça qu'on mange. On a besoin du bruit parfois. Ok, on peut aller à la suite. Doucement, tranquillement. Bon, ça semble être un peu moins. Ok. Je m'en fallait, c'est passé, j'ai pas eu le temps. Pas grave. On va le trouver, Daigli. Dans pas longtemps. Ok, jusqu'à là, ça passe. Ok. Jusqu'à là, ça passe. C'était de Westminster. Ok, donc voilà, donc il faut continuer. Là, il y a un souvenir. Donc, l'appareil photo. Souvenir de Bagley. Et voilà. Prendre la photo. Et le sixième, il est là. Autour du septième. Le septième, il se situe un peu plus loin. Justifie à l'arc de Wellington. Regarde-toi, prêt à reprendre l'aviron? On va y aller. Eh oui, il doit suivre un nouveau traitement la semaine prochaine. Je sais pas comment elle fait, mais j'ai pas eu d'attaque depuis presque un an. Enfin libre. On verra bien. Je suis content pour toi, Bags. Même ce surnom pourri ne pourra pas gâcher mon bonheur. Alors vas-y, lâche-toi. Ok. Donc, alors on se lance pour de bon ou pas? On va y aller. Je suis prêt à passer à la suite, Arthur. Et petit à petit. J'ai envie de vivre avec toi. Ok. Ok, ok, ok. Arthur, ok. Je devrais m'en souvenir mieux que ça, mais rien à faire. Le septième. Sur 8. Ok. Tranquillement. On va y aller sans se prendre la tête. Ok. Jusqu'à là, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et on est arrivé. Photographie à proximité. Caméra. Et souvenirs de Bailey en vue. Échec de partage de photos. Donc on va te spend là. Photographier. Arc fait exactement. Monsieur, ne me touchez pas. Ces personnes sont là pour t'aider, Bag. Ne me touchez pas comme ça. Et le dernier. Arrêtez-la. Il situe à s'asseoir. Dernier, c'est Astor's World. Où il y a... Donc là, il y a le rond-point, d'accord. Normalement... Il est pas loin... rond-point.
Il doit pas être loin d'ici. Alors ici, on va mettre un repère. Il nous faut une ambulance. Et on va aller tout faire suite. La photo d'abord. Je suppose que elle, c'est Sky Larsen. Elle a bien l'air du genre à jouer avec les cerveaux des autres. Possible, possible, possible. Les mobiles de Robert Peel. On va aller voir ça. Aux premières voitures de patrouille, nous avons toujours été là pour protéger la ville. Et si les temps ont changé, notre implication est la même. Police de Londres. Ça fait mal ça. Depuis 1829. Très très mal. Ouh, dommage. Attends. On va attendre. Ok. On peut attendre un tout petit peu que la connexion revienne. Et elle revient. On peut continuer pour la suite. On va voir ça. Ensuite, il va nous donner la suite de la mission. Mais trouver Begley. On va le trouver. On va le trouver, monsieur Begley. Ok, 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 ok. Jusqu'à là, ça passait. Ça passe tranquillement. Et doucement toi. Et doucement toi aussi. Ok, 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 ok. On s'y approche. Doucement toi. Ok. Aïe aïe aïe. On va aller par là. Et par là. Ok. On va par là. Exactement ici. Donc là on est au point de rendez-vous. Un tout petit peu. Là, on est à proximité du lieu. On va prendre la photo. Et voilà les souvenirs de Begley. Un hôpital. La photographie les 8, voilà. Nous pensons que votre frère présente des signes de démence précoce. Ce qui explique la violente crise qu'il a eue à la British Library. Okay. On peut le garder, bien sûr, et surveiller l'évolution constante de son état. Merci, docteur. Puis-je vous parler un moment? Bien sûr. Bien sûr. Écoutez-moi attentivement. Je me fiche de savoir comment, mais il est hors de question que mon frère croupisse dans un hôpital. Une forme de démence précoce. Mais si c'est le cas, quand va-t-on cartographier le cerveau? Je crois qu'il faut photographier le dernier qui est dans la cité de Londres. Qui est pas loin ici. Pas loin d'ici. On va y aller. Ça va être quelque part par là. On va y aller.
On va y aller. Doucement. Aïe. Ok. Vous partagez votre opinion en ligne. Vous montrez votre vie en ligne. Désormais, faites aussi votre devoir en ligne. Ok. Si vous êtes témoin de quelque chose de suspect, c'est à vous de le signaler. Ok. Les Sœurs veillent sur l'Angleterre. Et vous? Ah là, le gars, il est pas par ici. Ok, il est pas loin. La tour. Ok. On va aller voir ça. Alors que je rentre dedans, sûrement. Que je rentre dedans, mais où rentrer dedans? Prendre l'ascenseur. Allez, cœur. Prendre l'appareil photo. En vue et prendre la photo, et voilà le dernier fichier. J'ai l'impression qu'on n'est pas là pour se rappeler le bon vieux temps. Ah, effectivement, j'ai beaucoup réfléchi à tes crises d'épilepsie. Super, ça fait des années que mes médecins n'en parlent plus. J'ai dû abandonner tellement de choses à cause de ça. L'aviron, mes amis. Bon, je suis désolé, Bradley. Waouh, tu te mets à utiliser mon vrai nom? Ça doit être vraiment grave alors. Et si je... Ok. On va essayer de trouver... J'étais le frère de Sky Larsen. Je suis Bradley. Bradley Larsen. J'ai trouvé une chambre payée d'avance jusqu'au 4 avril 2040 au nom de Bradley Larsen, réglée par S. Larsen. Wow, Bagley, t'es vivant? Où est-ce qu'on peut te trouver? Saint Pancras Hôtel. Bonjour Indre. On va te rejoindre, tant qu'à faire. On va y aller. Merci. Et la voiture n'est pas en bon état. On va y aller. Ok. Dommage. Ok. On y va. Ok. La voiture elle fume, mais c'est pas grave. Ça vaut le coup. Pour le trophée. Où est le trophée Bagley? Ok. Aïe. Dommage. Et tu t'es pris le mur. On va te trouver. Par ici. Merci.
Vous êtes arrivé à votre destination. Enfin, exactement. Ma destination. J'habite... Bradley habite ici. Cet endroit est à votre disposition. Ok, on va te retrouver, Bradley. Ok, merci, Bradley. Rejoindre Bradley Larson. Et voilà. Le prends pas mal, mais j'ai l'impression que t'es le genre de dingo qui rêve de changer les choses. Oh, vous êtes de DeadSec ? Fantastique ! J'ai justement besoin de votre aide. On peut peut-être t'aider. Il se passe quoi ? Je crois qu'il est arrivé quelque chose à mon amie. Elle me donne plus de nouvelles depuis la semaine dernière. J'ai essayé de l'appeler et tout le reste, mais ça ne répond pas. Putain, c'est affreux. Ouais, c'est pas rassurant. Mon amie a toujours été un peu anti-autorité. Même qu'elle a déjà fini au poste une ou deux fois. J'ai peur qu'elle ait poussé le bouchon cette fois. T'en fais pas, on la retrouvera. Ok. Qualification hier en Nouvelle-Zélande. Notre équipe nationale d'aviron a établi un record, battant facilement les Allemands et les Néerlandais, qui ont fini deuxième et troisième. L'équipe féminine, elle non plus, n'a pas d'émérite. Désolé, Bagley. Je sais que c'est pas à ça que tu t'attendais. Il faut que je lui parle. Mettez-moi sur l'écran. Écoutez, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. J'ai fait beaucoup de recherches et j'en suis à peu près sûr. Vous faisiez de l'aviron, vous aimiez les vôtres, vous adoriez les fraises, vous aviez une sœur, et elle vous a fait du mal. Je suis désolé, vous ne méritiez pas ça. Mais rien de ce que Sky vous a fait ne change qui vous êtes. Je crois que je n'aurais jamais pu avoir votre vie. Vous êtes quelqu'un de bien, mais moi je ne suis pas vous. Bagley. Cette conversation signifie beaucoup pour moi. Merci, Bradley. Heureux qu'on se soit enfin rencontrés. Au revoir, Bradley. Oh. C'est triste. Très triste. Histoire de Bagley. Trophée, celui qui est parti, obtenu. On est censé t'appeler Bradley maintenant ? Non, non, je suis Bagley. J'en suis désormais convaincu. Bradley et moi, nous avons tout simplement un ancêtre en commun. Enfin, je vous remercie. Et si vous répétez à qui que ce soit ce que j'ai dit, je vous ferai tous tuer à coup de pelle. Eh, ça sert à ça les potes. Mission accomplie, trouver Bagley. Fin de la vidéo. Ça signifie beaucoup pour moi. Merci, Bradley. Heureux qu'on se soit enfin rencontrés. Au revoir, Bradley. Oh. C'est triste. Très triste. Histoire de Bagley. Trophée, celui qui est parti, obtenu.